Donc, amis téléspectateurs, nous de retour avec Jules Graffy, qui nous connaît très bien, grand acteur dans la communauté, même qui est en train de devenir carrément, nous capable de dire sans se tromper, un acteur au niveau international, parce qu'il y a un pile gros projet qui a commencé à entrer là-dedans. Et il y a un gros projet qui est en branle, qui complétait même là, et puis on va le gagner bientôt. On va quitter Jules pour parler de ça. Jules, il y a un film là, dernier film, tout chaud, qui sortit. Ou te ban yon ti préambule déjà sur film ça, mais téléspectateurs, m'ta me pou parler nous de film ça. Qui ti film nan déjà? Married Man. Married Man. Parlez-moi de film ça là. C'est quoi ce scénario? Parlez-nous de script film ça. Bon, Married Man, son bel scénario. C'est un scénario que y a trois couples de bons amis. Un couple qui de bons amis qui a gagné vie très bien, star de cinéma, avocat, psychologue, nurse et autres, qui t'es bien depuis la high school, qui t'es remis depuis la high school, qui vient de marier, gain carrière, faire petit ensemble et autres. Donc, mais il y a deux personnalités différentes. Il y a une qui sont players et à un moment donné, il y a une action qu'il fait en tant que player à chambouler. Vie coupe tout le monde. Tous les quatre. Ouais. Donc, mais par la suite, l'amitié, l'amour, yon et de l'autre, a bien fait que bagayo passe moins pire que yon tadoué si l'amour pat la, union pat la, mais dans la main, l'union fait la force nous même Haïti, tout ça, ça va le montrer. Alors, film n'a gagné un symbolique déjà dans bagayo. Nous pas dit plus parce que film n'a gagné pour le sortir bientôt, ou du moins y a un pile bagay qui va le faire avec film ça. So, Jules, qui va jouer dans le film? Ah bon, moi je joue un rôle côté moi le Stephen Genesis. Moi c'est un superstar cinéma. Superstar. Est-ce que c'est une dans quatre moun sa yo? Oh oui, c'est une dans trois coupes ça. OK. Mais même moi c'est un star de cinéma. Moi je graphie junior jeune, moi le Stephen. Nous gagne madame moi qui c'est un star de la musique. Princesse Eude, que nous avons un gros coup de chapeau au Bali, tous les deux dread. Aïe. Dans le film, nous avons un vrai couple. Ah. Puis le monde dit, oh, regardez, je vais ensemble. Nous matchons ensemble. Et puis, nous avons un gros coup de chapeau pour Flame de Gabel. Nous avons un cap mené là. Regardez, j'ai oublié là, Flame. Donc, Flame lui-même, tout, il y a madame qui c'est Christine, une petite dame qui est très nice, qui est madame dans le film. Nan. Après, ça devient Jude Jean. On être humain qui très humble, très respectueux. Jude, nous content en pile jouer bon côté parce que en tant que monde, il y a pile respect pour vous. Film ça grand pile bon monde là-dedans. Oh, oh mon cher, par contre comment Robinson Lovens fait mais que n'a salué en passant. N'a salué mon cher. You are the man. Parce que gain Jude Janto, oui. Gain Mélène qui sont actrices qui jouent dans le film là. Gen l'autre demoiselle qui relait Chanel dans film dans Belinda qui jouait dans un pile film. Nous gen Richie Maestro Richie nèg depuis le moyen jazz là c'est succès n'importe quel jazz là gen depuis Richie étoile filante Baton, génie de la musique, un génie de la musique haïtienne dans le monde du compas. Nous avons un pilote monde encore que pas cité, mais pour me parler de nous avons Ishan Fresh qui sont acteurs d'origine haïtienne qui a évolué dans le monde du rap américain. My name is Juno. I'm a therapist. I had a beautiful life. A wife who loved me, and friends who cared for me. Tout le monde dit road trip! Road trip! Until I met Vivian. For instance, I know this is not your usual drink, but you're trying this out just so you can forget about something that's been on your mind for a long time, but you don't want to completely forget about it.
It's like a stress reliever. It's like a memory you're trying to create to deviate from the usual. So you go light, heavy creamed, white Russian. Kounya jodi an, m dekouvri sa fè 2 an! Pasèm nan tete! Stéphane! Wan pil fwa nou kon panse nou menm monsye ou, se nou menm chase. Fta yon nouk jibye, papa. Madame, men an ton la papa, gen men kat neg ave madame ou kounya an ton a pale ave yo, lop la la. I got it now. Bu kadın orospuluk yapıyor bana göre öyle. Sit lan, güveniyorum. FBI, freeze! Dimi, this is gonna be the last time we'll see each other. Amca Bolce, ben kumpanca apali la. Kim fay bu abim la. O gele gulot ne. All this time I've been living my life for you, but not anymore. I don't think we should stay in contact. Une boîte de téléphone là. Hey yo! Yo what? It's over, man. It's over, qui ça? Toute grosse star ça a eu son plateau, Jules. C'était quoi la chimie? C'était quoi l'ambiance? Parce qu'ils sont pas quelques bonnes gros noms, aux cités là. Explosif dans le bon sens. Ah oui? Mabzo pour qui ça nous font nous éclater. Nous avons un fantôme que je n'ai pas oublié pendant que je dis éclaté. Un fantôme éclaté, barricade coup. Vous avez oui. Nous éclaté pour la simple et bonne raison que c'est une équipe monde qui est très connue. Mais nous sommes plateau, humilité partout. Pas de pièces monde qui sentit son paquet plus que l'autre. Son bagage. Tout le monde a un seul objectif. Réussite de Married Men. Et fraternité. Moi-même, fantôme, son monde m'a entendu des musiques longtemps. Qui peut-être a regardé film moins longtemps. Que je n'ai pas jamais rencontré. Le noué. C'est comme si yon te kont l'autre. Deux partenaires. Princesse Eude, dès qu'on a regardé le film, il a apprécié et tant de musique, il a regardé des vidéos. Nous, on y croit, il va là pour tout le monde. Flip, pendant que je dis, monsieur, je suis un fan de Gabel, que moi, mais j'ai chanté. Là, je dis, lui-même, mon cher, c'est acteur préféré, mais ainsi de suite. C'est comme nous, venons arriver là, côté humilité, nous, juste là pour nous défendre un intérêt qui c'est une bonne relation entre nous. Succès Married Men, succès cinéma haïtien. Et c'est entraide qui existait parmi nous. Le naturalisme, le déroulement tournage. On Robinson Louvens qui toujours gain on sourire dans les vies, même dans les situations les plus extrêmes du tournage. Et on sait qu'il peut y en avoir des situations. On sait qu'il y en a. Il y en a eu. Parce que c'est une grosse production, c'est une belle production. Puis c'est pas facile de gérer tout ça. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de plus de 2 millions, 2 millions de dollars de dépensés en américain. Tu sais, contrôler tous ces stars-là, leur donner le service où lorsqu'on vient te chercher à ton hôtel, ton chauffeur t'ouvre la porte, ta chambre d'hôtel est luxueuse. Tu sais ce que je veux dire? On te demande c'est quoi que tu veux manger. Tu sais, c'est comme ce que je vis dans le monde canadien en tant qu'acteur. C'est ça ma vie dans la communauté haïtienne. Donc c'est vraiment extraordinaire. Mais ambiance santé très bien. C'est toujours un plaisir. Sourire aux lèvres que chaque journée de tournage passe. Est-ce que nous capables de dire que bien sûr que le scénario importe, les jeux d'acteurs importent. Est-ce que, pour gens qui ont parlé là, on peut dire que qualité d'ambiance, qualité d'arrimage, ça qui fait un beau tête ça, est-ce qu'on pensait que ça capable de jouer un rôle aussi pour attraire film, non? Ça transpirer à travers les jeux d'acteurs. Est-ce que nous capables de dire ça? Oui. Nous capables de dire ça? Et c'est un bail que me félicite Robinson. Robinson Louvens, il y a un bail que le fait, c'est que avec vision pour mener la communauté haïtienne dans le cinéma à l'autre niveau. Il a cherché des personnalités connues dans des domaines différents.
mais l'œil fin chercher pour chercher popularité que vous menez avec public là pour le bail un plus gros intérêt créer un plus gros public parce que l'œil en film ça on ne doit pas venir pour un graphique en tant qu'acteur il vient pour Maestro Ricci ou bien son fan rap il vient pour Fantôme il vient pour eux ainsi de suite donc ou vient à chercher un plus grand nombre de public ça c'est un mais l'œil fait ça là il pas fait juste pour aller chercher mon nan passer audition. L'elfine passe audition et que le répond à ça la chercher hein, li bal rôle là. Moi même saute juste Canada à passer audition pour film ça. Donc moun lo yo di Richie a joué dans film là. Richie vient jouer dans film là. Pas parce que le relé Richie mais parce que li gon talent d'acteur, li calibré marchandise dans rôle que le jouer et que livré parce que me tourner avec elle personnellement. Est-ce que vous comprenez ça? L'important c'est audience parce que mounio ka penser acteur pas contre jouer. Et je veux dire attention, c'est pas acteur pas contre jouer non, chanteur pas contre jouer ou chanteur pas acteur. Mais là ce que tu es en train de me dire c'est que chanteur ça yo pour année d'expérience que y a chanté fait vidéo si je comprends bien, nèg yo vinn développer en sorte de capacité d'être à l'aise en avant de la caméra et vraiment de livrer marchandise là en tant qu'acteur. Oui, mais li gen doit pas assez pour Robinson parce que gen pile l'autre chanteur qui passe audition que le pas retenu non, mais et qui aussi populaire. Bah essay une réponse que le te bail que me remet en entrevue au Mandel mais chanteur pas acteur et pour qu'ils soient mettez mon yo c'est juste popularité monsieur dit non c'est ou pas comprendre ça dire parce que en vidéo son short film son court-métrage exactement. Donc les Richie font vidéo ti fifi d'elle ti fi enceinte comme on relé là et puis la vidéo c'est acting la acting. Est-ce que vous comprenez ça? Absolument. Et ça c'est très important pour moun k'ap voyer monter yo comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc ça li vin en bail extraordinaire que monsieur fait mais monsieur fait bagay là de façon très ordonnée selon les normes. Li pas inventé là où j'en sont t'a parlé à. Il étudie en cinéma parce que là dans l'université aux États-Unis pour l'étudier, il pas bon caméra d'assaut parce qu'il te gain comme pour l'acheter le Best Buy. Vous comprenez? Là l'étudier le passionné le chita, un vrai professionnel, il crée entreprise, dit que l'a travaille, il fait vidéo, il compte fait ti film, il prépare tête, il vision voilà. C'était Married Man, il voilà. Fait 3-4 films côté yo gain succès c'est vrai, mais pas de gain calibre ça. Au fil des années à chaque film il prend expérience, il prend compétence qu'on y a sorti gros projet à mettre griffe dehors. Son et cheminement tout. Exactement. Cheminement. Donc le monsieur film fait ça, il fait audition, c'est des anciens professeurs en acting, des stars de cinéma, des journalistes critiques de cinéma qui étaient dans jury que nous-mêmes nous t'al camper passer audition, c'est eux-mêmes qui en voyé liste la bali qui dit un tel rôle et il juste obéit. Ça il dit mais même que il te dit t'a aimé jouer dans film là. Que je saute au Canada à passer audition. Hein? Oui, il était déjà au même rôle. Mais je pas un rôle parce que il était au même rôle. C'est parce que mon yo pour rôle m'a auditionné, il dit oui, il a fait. Et m'a auditionné pour deux rôles. Il voulait me jouer tous les deux. Mais il était préféré me jouer en l'autre. Mon yo dit monsieur a plus profitable pour le rôle ça. Quoi que m'a passé pour tous les deux rôles. Mais il dit monsieur, le rôle ça. Monsieur a plus profitable pour vous. Et monsieur, il tend des grands monde qui tape balle pour vous, qui a plus d'expérience, il fait. N'importe. Monsieur très structuré en tant que monde. Tout ça l'a fait, il y a une équipe sous place qui est gérée par Belgami Production. Belgami, mesdames, Belgami, ça y est, mon cher, Pape Bomanti, en de bonnes mains. Yes. Régine, Wesby, Pierre, nous sommes comme dans des. You are my new family down there. So c'est des monde qui min business, qui est en affaire, qui gère schedule, qui gère emploi du temps, qui gère déplacement, pas gain rien. L'aime dit rien Ronald qui laissé au hasard. Tout est planifié, yo connait à tel là vienne chercher dans hôtel moi, à tel là y a bagaille, yo connait qui rad ma bagaille, mien designer à chaque soir fin de tournage qui vienne essayer rad avec moi pour prochain scène là. Déjà gen cédule scène moins qui habillement nous tout doit gagner dans telle scène faut casual faut décontracté faut si mais la veille ou bien des fois sous plateau hein? Des fois sous plateau hein? Donc n'a pas continuer entrevue hein? Des fois sous plateau hein?
qui yo même yo vraiment fini yo pose aux questions yo dit exactement comment on sent à tel rad et puis yo garder qui ça yo vle a pour assurer que li refléter Jean yo vle habillé a mais tout ko à l'aise dans son poté a pour pas gon kenjen pour livrer la marchandise. Tout ça c'est Belgami production qui gère toute bagarre en termes de planification ça yo. Mon cher, son grosse production qu'on parle maintenant là. Oui. Là dit que son production qui atteint $500,000 pour Jean qu'on explique mené là parce que me connaît question cinéma c'est bagarre qui coûte extrêmement cher, extrêmement cher. Pour Jean qu'on parle moins là, moi son bagarre pour être dans 2 3 4 5 millions là. Oui. Comment expliquer que monsieur avec un $500,000, il reste, c'est quelle durée de film? Plus que une heure. Plus que une heure. Donc un film de cette longueur là, son long métrage qui en sol américain, c'est doit coûter extrêmement cher, beaucoup plus cher que le prix. Ça veut dire que monsieur gagnait sans doute des moyens ou du moins utilisation de choses que peut-être pas comptabilisées dans $500,000. Parce que pour moi, son film t'a coûté 2 millions, 3, 4 millions. Parce... Effectivement, monsieur son est qui honnête à tête parlée en tant que personne. Donc, il parlait en tant que personne avec toute honnêteté que lien. Et m'a retracé que production ça, il n'y a pas aucun sponsor jusqu'ici. Aucun, zéro. Zéro. Moins 10, moins 20, mais pas un ni deux dollars. Il est 100% par Robinson Loven, The Clear Shot Entertainment. Ça veut dire que Robinson a mis tout de sa poche. Il a mis sa vie là-dedans. Tu es en train de me dire qu'il a tout misé là-dessus. Il a tout misé là-dessus et il y croit et il ne s'est pas trompé. On ne sait pas encore. Il ne s'est pas trompé. Je peux me porter garant de ça. Il se trompe là-bas. Succès assuré. Succès assuré. Ma vie, je suis en dedans et m'examiner et en affaire. Je ne pas Jim Bill Gates ni Warren Buffett. Mais j'ai une certaine expérience. Il a tout misé pour ça parce qu'il n'a pas dépensé pour le dépenser. Il a dépensé aux bonnes places et la marchandise a été livrée. Il y a une équipe marketing parce qu'actuellement, il y a plus que 30 projections qui sont déjà achetées à travers le monde, les États-Unis, la France, en Europe, tout en Europe, que le monde déjà conclu avec pour venir jouer le film. Là. Ça veut dire film ça, son film qui est bientôt là pour aller sur les grands écrans, si ce n'est pas sur les grands écrans, ou dit tout, pour gagner une tournée qui vient pour faire à travers les États-Unis, dans les grandes villes américaines, qui pour faire projection de film ça, et même Haïti aussi est dans le calendrier des projections. Exactement, parce que pour juste finir à dernier bail ou dit par rapport à mon temps, le nombre qui fait monsieur 10 demi-millions, c'est parce que c'est ça qui comptabilise en comme de cob qui dépensait. Mais là, on prend tout matériel sophistiqué que lui-même voilà. Déjà possédé dans Clear Shot Entertainment qui vaut des dizaines de milliers de dollars, qui tape vaut encore plus leur loué lui, il utilise yo, il juste pas comptabilisé. Mais s'il comptabilise yo, nous tombons dans la forêt parce qu'il est en lion, il est en lion nous, ok? Donc ça c'est pour mes bailants, oui. En fait, comment la fête le 3 décembre, tout est déjà conclu. Abgain Los Angeles, Californie, à Hollywood, abgain son grand premier qui a fait private screening qui pour Caslan production avec staff technique là. Journaliste quand pour même. Oui, on a souhaité que HNET disponible, l'équipe web disponible. On a souhaité web disponible. On comprend ça me dit. Ensuite, a bien des personnalités du cinéma américain et du cinéma haïtien et du cinéma des haïtiens évoluant dans le cinéma hollywoodien. Hollywoodien. Oh, intéressant. Et le 16 décembre, Hôtel Oasis. Grande première, parce que monsieur voulait faire un cinéma haïtien qui d'origine internationale, c'est ça qui fait première projection dans la capitale film, non? Qui c'est Hollywood. Mais l'importance, c'est que grande première, là, vraie grande première, là, parce que ça n'a fait à son private screening, mais grande première ouverte à public, là, pas gen l'autre monde selon lui-même, selon croyance li, selon valeur li, qui c'est nous-mêmes haïtiens qui pour vivre li. C'est ça qui fait l'alfel côté l'ombre nous enterré qui c'est Haïti parce que son nèg
qui a une philosophie qui est très forte et très enracinée. Il a une pile valeur, une pile humilité. Là, il fait en Haïti le 16 décembre, Hôtel Oasis, nous attendons tout le monde pour nous venir vivre l'événement ça. Invitation à lancer, nous parlons pour un coup de pause parce que nous avons pile de bagailles que nous parlons, mais nous avons pile de bagailles que nous parlons parler encore. Donc nous parlons pour un coup de pause et puis nous tournons. Lorsque nous parlons tourner, nous parlons parler de conception, façon pour concevoir l'exploitation film ça. Parce que nous connaissons des gens qui sont difficiles pour faire exploitation en film avec tous les dangers de bootleg qui ça représente. Nous allons parler de ça tout de suite après la pause.